Le prochain candidat est bien décidé lui aussi à montrer au jury ce qu'il sait faire. Mi-ventriloque, mi-homme orchestre, il n'est pas là pour amuser la galerie. Pardon. Ah ben on l'a vu hier, c'est ce que je disais, voilà. Bonjour jeune homme, vous appelez Joseph. Oui. Vous venez d'où ? Je viens de Sète. De Sète. Et vous allez nous chanter ? Une chanson de Corneille. De Corneille. Voilà, mais donc avant je vais faire un petit morceau de beatbox. Parfait, allez-y. Respect. Il y a un trucage. À un moment, vous avez fait trois voix différentes. Quatre, ouais. Quatre, ouais. Quatre voix différentes. Mais j'ai pas besoin d'entendre chanter, personnellement. Vous avez un truc, je piche pas. Ok, rythmiquement, avec la bouche. Mais à un moment, vous avez chanté deux mélodies en même temps, différentes. Trois. Il y a un truc. On va pas faire l'analyse, c'est juste génial. C'est le plus belle qu'on a entendu. On n'a pas envie de vous entendre chanter. Moi, je veux à Paris. Non, je veux pas entendre chanter. Venez à Paris. C'est vrai ? Bah, évidemment. Ça sert à rien que. Mais non, ça sert à rien. Même pas. Je chante pas. Fou. Avec ce que vous venez de faire, top. Formidable. Une illusion optique. Mais les musiciens, ils pourraient être un perroquet. Comment ils peuvent faire ? Parce qu'il y a une technique. Il fait dans les trous, le truc, il est coupé. Ça a coupé. Et dans le petit trou qu'il y a fait. Sauf que moi, je sais pas le faire aussi vite. Ah oui, les rires. Un gros taf. Oui, les rires et les ralentis. Les ralentis de bande. Et le scratch, j'ai jamais entendu ça. Et le pouce. Je suis vraiment content. J'y croyais pas du tout. Et je suis dans mes émotions encore. Voilà, c'est tout. You win. Espérons qu'il sera aussi chanté au théâtre. Là-bas.